C'est un réel plaisir, amis téléspectateurs, une autre fois encore, pour nous rejoindre sur Haïti TV, dans le magazine sportif pour choisir, pour informer sur tout ça qui a rapport à sport en général. Bon, pour ça, nous disons merci pour le temps et la patience. Non, pas c'est Stéphane Guillaume. Comme d'habitude dans Sportmag, c'est moi, Akoudi Lomira, qui est toujours présent pour nous porter une nouvelle émission Sportmag pour journée. Mais je dis, nous avons un gros monsieur avec nous qui c'est Jean-Marc Alexandre. Tout de suite après, nous allons gagner pour nous parler avec lui, pour nous connaître exactement qui ça a fait le passé au terrain de football, famille, etc., etc. Donc nous disons ça, bienvenue et bonjour, bonsoir Akoudi et Jean-Marc Alexandre. Et bonsoir tout le monde, bonsoir amis téléspectateurs qui ont regardé Sportmag, c'est un plaisir. Alors je dis à ta couche Jean-Stéphane Sodil dans les tours, nous pas pour compte, nous avons un gros monsieur Aven Nakara qui c'est Jean-Marc Alexandre. Jean-Marc, son monsieur passé de présentation et son monsieur moi-même. Et le mon premier ouais Jean-Marc dans la sélection haïtienne de football, là, me dit, mais puis il y a pas de gros garçon comme ça, côté Gonex, ça sorti un gros tour garçon. Et t'as compté pour mettre mon dieu dans le dernier match nous fait semaine dernière là. Et pour Strikers, nous te promettons que nous prenons le vin avec Jean-Marc, pour Jean-Marc Fonti Palaven, pour Jean-Marc parler nous de lui-même en général et parler nous de Strikers, nous, qui commence cette saison et qui peut jouer extrêmement bien. Jean-Marc, nous connaissons Strikers qui joue un bel football. Alors je dis, comme nous te promettons, nous avons M. Aven Nakala avec qui dit bonsoir. Jean-Marc, son plaisir, bon avoir sur Haïti TV, dans Chopa, Stéphane Guillaume, on nous dit l'homme avec ses spots. Marc, son plaisir, men. Bonsoir, son plaisir pour nous là avec nous. Alors, et comme ça, Jean-Marc, son plaisir pour l'Aven. Nous pouvons faire un autre bagaille, nous pouvons faire un autre modèle aujourd'hui. Je pense que c'est important pour nous faire ça. Tant que j'aime Stéphane Guillaume toujours dit, et pas tout le temps pour parler de Messi, pas tout le temps pour parler de Cristiano Ronaldo, pas tout le temps pour parler de Ronaldinho, c'est deux joueurs qui passent de présentation. Parce que nous avons un paquet de gros joueurs là, nous avons un paquet de gros talents. Et comme un garçon comme Jean-Marc qui passait de présentation, qui jouait en MLS, qui jouait en Asie, si je ne pas abusé, qui connaît qu'à jouer dans deuxième division MLS, ça comme j'aime me dit Stéphane Marie me dit ça moi me dit ça en pile dans deuxième division MLS. Alors je dis à son honneur pour nous gagner monsieur a pour nous parler de lui parce que c'est objectif chose ça c'est but chose ça pour nous présenter footballeur haïtien qui a fait valeur qui a flotté de rapport et pire que possible parce que faut que nous même qui la caille nous faut que nous connaît qui ça moun ça au fait que Stéphane te dit faut que nous connaît qui ça aurait me fait qui ça pas me fait qui côté au sortir ou même qui que n'a regarder là gars d'argent maximum pays ou c'est moun la caille dans cette famille ou même pas même rendre compte ça même. Alors monsieur a qui avait dans calan pour parler avec nous pour poser toutes questions que ou même ou ta même poser le bagage ça mais je dis à moi Stéphane monsieur a nous pour parler de tout de avec Stéphane pas connait si ou même cap commencer d'ailleurs comme Jean-Marc c'est coéquipier aussi amour c'est avec beau et bien que ses amis nié tout mais beaucoup plus près Jean-Marc passé parce que malgré changer dans sélection à Jean-Marc peut-être ou même ou des chances qui t'en partager avec alors quitter ou même faire ouverture là poser Jean-Marc première question qui avait dans calan sur Haïti TV. Bon, première question on a posé Jean-Marc, c'est que comme dans la sélection jeune, on pas presque qu'on nous pas trouvé Jean-Marc, peut-être là, moi-même ou même t'as levé dans la sélection jeune. Et nous t'avons même connu exactement qui bon Jean-Marc a commencé à jouer au football là, et puis après, et qui vient de mener, quelle possibilité de jouer pour la sélection pays. Hein. Je pense que la raison qui fait nous pas peut-être connaît jeunesse, c'est parce que je fais majorité jeunesse aux États-Unis. Je viens aux États-Unis depuis que j'ai 9 ans. Tout le football, jeunesse, même pas aux États-Unis, j'ai commencé avec Delray Beach, Florida. Côté, j'ai commencé premier côté, j'ai joué dans une petite équipe qui était organisée. Après ça, j'ai joué un peu Boca. Les compétitions, j'ai commencé à aller à Miami. J'ai joué pour West Kendo avec Miami. Strikers tout, des contrats avec yo. Basse jeunesse moi États-Unis, ça quand même bagage sans jouer avec des gros géants ça que nous beaucoup côté non mais Gab dit demi c'est ça, c'est eux même qui t'ai tracé ligne non pour m'absoudre connia. Et bon, c'est ça. Alors, Stéphane qui pose une très belle question. Et Jean-Marc qui côté sorti et il atterrit dans la section ancienne de football. Grand Pivon qui va rencontrer M. Assassin. Il est venu ici petit, il est venu ici à 9 ans. Il joue dans l'équipe d'Elry Beach qui ce sont des écoles de football. Côté que apprend nous, il forme et ça fait M. Sagé sous discipline. Ça a gagné dans le jeu là. Le plus souvent, Haïtien prend un petit temps pour adapter aux agents de football, au style de football, ça qui grand pile discipline. Et on a toujours dit à Stéphane, dit
gen Jean-Marc Alexandre Dantin Roland et au sentiment terrain en plein son équipe très discipliné qu'on le pour aller qu'on le pour donner qui qu'on le pour faire deux contrôles qui qu'on le pour faire trois contrôles alors le plus souvent nous en Haïti nous pas habitué à style de jouer ça homme de dit Stéphane haïtien prend temps pour aimer Jean-Marc effectivement et absence ou quelques fois dans la section scène de football nous on commencé sentir nous dit mais non et Jean-Marc pas là nous sentir des problèmes il est vrai que Jean-Marc et ou fait zamou ici ou commencer jouer ici mais qui ça qui fait que ou choisir jouer pour Haïti mais pendant ce temps penser que un joueur qui a plus de potentialité tant que ou tu ca jouer pour la section américaine de football qui ça qui pousse au jouer pour la section haïtienne de football ou pas jouer aux États-Unis oui me changer l'aime de faire décision ça c'est de gagner quoi 19 ans m'te gen fait m'te faire décision ça m'te gen avant d'aller me changer m'ta jouer pour une équipe PDL California avant m'aller entraîner à Jean-Marc penser avec soi faire avant jouer pour Haïti parce que Jean-Marc a joué dans futi peut-être ou ka jeune chance pour jouer pour sélection États-Unis effectivement si m'te écouter livré et parce que après collège m'aller m'aller MLS là pour jusqu'à présent c'est moi même qui et draft pick qui pi ou dans histoire l'école moi dans l'université et m'ta bien chance jouer pour MLS et m'ta bien chance jouer sélection États-Unis mais jodi on vient remarquer que choix me faire c'était puis bon choix m'était capable faire parce que m'était capable choisir me jouer pour États-Unis mais les hymne national là a passé les moi m'a sélection maillot sélection États-Unis en sous moi n'est qu'à sentir la ca moins même sentir que moins c'est Haïti le dapier vous comprenez wow. Parce que wow. Oui me venir ici depuis me petit me toujours dit moun ça me fait Haïti mais États-Unis c'est ca moins mais que moins c'est Haïti wow. Alors et Stéphane pense que son quand même son histoire qui est très touchant son bagage de courage et ça et Jean-Marc dit pour tout pour cap garder et Haïti TV là et m'pas bon menti moi-même je me trouve dans cette situation, je me rappelle que je suis en Argentine, je suis en Boca, et je cherche une opportunité, ça, je me dis, après, je joue aux États-Unis, mais je ne joue pas, je ne joue pas, je ne joue pas, je ne joue pas, je joue à Haïti, je ne joue pas aux États-Unis, mais ça a vraiment pile courage. Ça fait moi-même, quand même, pas regretter de faire décision, ça me fait, pour me jouer à Haïti, parce que je me rappelle que je suis venu ici, et je joue toute opportunité, ça, et je me rappelle que pour mes amis de bataille, je suis fait L'Oréal Sadlec, si je ne abuse pas, ou choisir de jouer pour Haïti, j'ai toujours choisi jouer pour Haïti. Je pense quand même son bagage de courage qui te félicite. Le pays a toujours des gens qui remènent son gros pays, son gros nation. Et ça fait plaisir, ça montre tout. L'homme joue pour Haïti, on joue à cœur. On joue à tout ou même. Et pour les qui viennent jouer à réserve, on regarde toujours tout ce qu'on gagne dans quel que soit le match pour jouer pour Haïti. Stéphane, je vais te poser Jean-Marc deuxième question. Comme nous connaissons que oui, joue pour la sélection haïtienne, ça n'a pas été de côté, n'a pas été de côté. Pour club yo qui plus bon expérience que vous faites dans club yo depuis dans qui premier club que vous jouez professionnel et jusqu'à ce que vous arrivez retourner dans MLS là ça tout passe que vous faites dans club professionnel parce que on fait plusieurs expériences mais une expérience me fait c'est avec Real Salt Lake pendant quitter la caille pour première fois m'a vivre dehors famille moi et me senti tant ça c'est un temps de matière en pile. Non seulement sur terrain football non, mais d'ailleurs terrain football en tout c'est dans temps ça tout me devine la foi mon bon Dieu t'est augmenté parce que me dérivé dans mon moment pas dépendre de la foi maman de la foi papa de la foi famille moi bon Dieu devine réel moi et ça son bagage pas négocier li longtemps l'aime t'est jeune de toujours bah football première place mais kounya me vinn comprendre bon Dieu plus et me vinn plus m'attirer me réaliser que c'est grâce avec bon Dieu que me gagne football et à cause de football ça tout bon Dieu fait grâce les bonnes chances m capable ouvrir une académie à Haïti dans zone moins vers l'autre côté m'était fait toujours dit mon ça moi m'a Haïti en pile. This summer, RSL donated soccer cleats and equipment to kids in Haiti who are a part of midfielder Jean Alexandre's Soccer Academy. Utah Pilots shepherded in the gear to Alexandre's hometown of Veredas, where he grew up until he was 10 years old and started the school in 2007. This is home video of the very beginning. The Jean Alexandre Football Academy started in 2007 with a walk through town as is Haitian custom, live music playing,
And a purpose that at the time Alexander says even he didn't fully recognize. The most amazing thing is that, you know, the whole town wants to help. The whole town wants to get behind us. They want to be part of it. Hello, Sam. Hello, Sam. In 3 years, the academy has become a community affair. From coaching and reffing to spectating, the fan base here of would-be participants rivals any youth program in the world. Gene was a lot like these little boys here. He grew up playing soccer on the streets of Verrette until he was 10 years old. But even then, he was extraordinary in more ways than one. I had a deformity at birth, and both of my knees was kind of tucked in and touching each other. Couldn't really walk straight, so I had to wear the braces for his gum pad. I wore them for about 2 years. When the braces came off, his football skills took off too, eventually landing him in the American Major Leagues. I have a chance, I have an opportunity. God has been good to me, and it's an opportunity for me to be good to somebody else over there. Which is why, with his father's help, he works to expand the academy so that more youth can participate in organized soccer from a younger age. Trying to give these kids a sense of feeling that they belong, that they are part of something special, something good. The talent I see over here, my dream is to see if I see some of those kids play soccer for Real Salt Lake. A wish that may not be all that far off, with already one hometown tale of success. What we're building is not, it's not a business or an organization, it's a family. Moi pas connais sous font gros bagarre comme ça, c'est pas Stéphane qui dit ça. Le moi même connais c'est Stéphane qui font bagarre comme ça, m'a toujours félicité Stéphane dans show radio que m'gagne. Stéphane dit mais pas lui même seulement, il dit m'gagne Jean-Marc Alexandre qui fait le Verrette, qui Pascal Millier qui fait le Tulien qui fait. On pas que footballeur et qui pas fait gros bagarre mais chaque fait mais on pas parler de eux. Alors je pense que tant que Jean-Stéphane dit ça, c'est objectif sur ça, c'est idéologie ça gagne côté que pour nous parler de œuvre footballeur haïtien tant que gros bagarre sur fait dans commune Verrette. Bagay ki ekstraordinèr, wap fè ti moun jwè football, wap fè ti moun e al l'ekòl. E konbyen ti moun nou genyen, eske kòm ou fè ou fon program sport etude, ou byen e si moun jwè se football yo jwè selman, ou byen ou ba ou manje tout, ou byen ou ki sa pa bon moun ti on ti di pale moun ti jan plu de aktivite sa kreya, men ki vreman enteresan. Jan mte di akademi, mte komanse li depi 2007, mwen se mwen avèk papa mwen. Nan moman sa mbote nan universite toujou. Ou konen ou Etasini, le ou fò nan foutbol yo bo bous. E pi gouvenman e de ou tou avèk financial aid. So, chak trimes mte kon gen un pe kop ki rete. Apre financial aid, e pi bous yo te ban mwen pou sport. Mte serve avèk kop sa, mte komanse akademia. Aktèlman nou gen 42 timoun nan moman. Nou akademia nou bazel sou 3 bagay. Se mental, fizik et spirituel. M'pense que sou on athlète 3 bagay sa yo ou gen yo ou son athlète ki komple. So depi ti moun yo piti nou bezwen mete discipline sa yo la kayo, prinsip sa yo la kayo. Paske nou te fon premier experience avec akademi an, 2007 nou te pran aprepe 35 ti moun, men c'était à l'âge de 13 ans, 14 ans. Ni Haïti ni ici tout, men m'pense plus Haïti à l'âge de 13 ans à 14 ans. On ti moun a eti li sanse getan gen chemin ke lap fè, li difisil pou korije ti moun sa. Nou fin fè eksperyans sa, epi non salon nou te fè eksperyans sa, nou fè eksperyans sa avèk ti moun yo, nou pat pon responsabilite paran yo. Men avèk nouvo goup sa nou pon, mgen de goup aktèlman la son, I6 avèk I8. Chak samdi yo antrene, nou gon on fwè l'eglise ki fè pati spirituel la avè yo avan antrenman. Epi chak anè nou baye, ti moun ki byen performe yo nan l'ekol nou baye ou bous pou l'ekol nan. E premye ane nou te fè lan nou te baye tout ti moun yo net on ti bous pou l'ekol. Pase nou konen ke pou mwen men, pou mwen medikasyon li pi importan pase football nan. Paske an n'importe moment ka yo ka fini, men edikasyon li nan servo li la pou la vi. Ah, mon chef, félicitations, Jean de Bagay, ça aussi, c'est yo nous besoin d'un coup, dans Jean-Marc Alexandre, d'un coup, pour tout féliciter, non seulement par vous ça seulement, mais pour me dire merci tout, avant m'ouvrir l'académie, non, l'académie Jean-Marc l'a été ouvert déjà, avant m'ouvrir l'académie, non, m'a dit Jean-Marc, opinion, qui ça le pensait, qui parle, même Jean-Well explique là, c'est qu'il était commencé avec tout le monde qui est dans l'âge 13-14 ans, qui pas vraiment expérience, pas de vraiment marcher bien, j'en ai marché. Et puis, bon, on prend ça au courant. Et puis, vraiment, vrai, l'homme retourne à ce moment, on prend et tout le monde qui
qui est moins âgé. Exact, qui a 7-8 ans. Si on a commencé à apprendre le football là, très jeune, mm-hmm. et puis tout le temps, on a grandi, même ça qu'on apprend là, dans 6-7 ans, c'est le même niveau que j'ai 13 ans. Quoi. Si c'est à 13 ans, on va apprendre, on laisse ça, on va manquer un peu le bagage. Donc, je vous remercie pour ça parce que je me suis dit que j'ai ouvert pour toi, ou t'étendu, ou t'es bon conseil, ou t'es bon idée pour tout ça. Donc, je vous remercie pour ça. Alors, il y a une chose qui est intéressante dans ce qu'on a fait là, dans ce qu'on a attendu là, je veux dire, et dans ça ou même, les spectateurs qui l'ont attendu, ou ont gardé nous là. Et parce que monsieur Sao, Stéphane et Jean-Marc qui va gagner des grands moyens tant que Jean-Marc des gros superstars tant connecté avec Ronaldo tant connecté avec Messi et gagné et malgré avec le peu il a gagné ou il a fait ça. Alors si ça fait au même on besoin supporter footballeur haïtien, on besoin supporter quel que soit ça nous même haïtien a fait parce que ou est que et nanti ça nèg yo rentré qui pas même goa il a changé la caille, il voulait aider la caille, il voulait des jeunes haïtiens qui n'a mal cité, qui n'a pas gagné moi et peut-être nous-mêmes nous gagnons pas bon ici, vous voulez un changement pour le pays. Parce que nous, je dis ça, sport, c'est sur le bagage, je pense qu'il a changé le pays d'Haïti. Et sport, nous avons investi dans les jeunes, nous avons investi dans les jeunes, si qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, je pense que le pays est capable de bon avenir. Qui nous a pu, on a fait encore Jean-Marc et bon travail de même pour Stéphane qui a même lancé. Et moi-même, bien que je commence un petit bar, qui n'a pas tout le monde qui a fait des 7 à 8 personnes, nous avons payé l'école pour eux et nous avons des moyens pour nous entrer. Dans la question sport, même parce qu'avec le temps, nous sommes capables et pour nous faire ça, je pense que son inspiration. Moi-même, je prends le côté Stéphane, je connais Stéphane, fait ça, moi-même, je dis que ça me bat à fond, bagarre tout dans son côté, je pense que nous besoin plus de bagarre comme ça. Alors qu'il me dit bravo, monsieur, et pour bon travail, ça, je pense que son bagarre est bon pour le sport haïtien, est bon pour les jeunes, petits garçons qui ont fait ce point-là. Et Stéphane, par contre, sous une question toujours pour Jean-Marc avant moi, m'avancer. Bon, question à poser, Jean-Marc, c'est que c'est juste aller directement dans la Copa América. Copa América, je pense que là c'était une bonne expérience, pas seulement pour les joueurs, mais pour le pays en général. C'est plus grosse compétition que le pays a jamais participé. Donc, nous, tard, mais je pense que j'ai un fanatique, je vais poser une photo avec eux, et puis je demande des fanatiques qui ont une question que tu as posé. Donc, qui m'a dit, malgré tout, je sais qu'il y a une question qui est en Europe, et pour que ça ne pas paraître aussi performant, comme si beaucoup plus performant et bah, beaucoup plus bon, puis bon résultat dans la Copa América, malgré tout ça que. En plus, fanatique, tu attends de nous-mêmes, nous-mêmes, tout, en tant que joueur, tu attends de nous que ça nous t'a accompli pendant la proposition. La vie en son expérience liée, avec Copa América, tout son expérience liée pour Haïti. J'en dis, pour moi-même, le monde qui ne comprend pas le football, capable son négatif lié, mais pour moi-même, son positif lié, parce que genre de compétition, ça, son expérience que nous prenons, comme on sélectionne non seulement ça, tout comme au pays. Parce que après chaque match, après chaque défaite, les journalistes ont toujours posé une question dans la Copa América. Ils m'ont demandé qui j'aime sentir. Oui, et défaite là, il vraiment fait mal parce que, j'en dis, c'est athlète, nous, c'est footballeur. Nous, dans n'importe compétition, nous entrons, nous attendons pour nous gagner, pour nous avancer. Mais malheureusement, ça va pas passer. Mais, après, une leçon que je tire dans la Copa América, c'est dans le niveau ça, n'importe erreur fait. Opponent, il faut payer pour lui. Vous comprenez? Et dans le compte CACAF, là, ou CAF font erreur, mais opponent, il pas prendre avantage sur erreur. Mais dans le Copa América, on parle de Brésil, Équateur, Pérou, ou comprenez? Colombie. Avec que, next hour, yo y a besoin d'un niveau qui haut n'importe qui va faire yo exploiter les papa donné ne va pas donner on senti que sélection après expérience ça nous remarqué que si nous voulons jouer dans niveau ça vrai faut nous limiter erreur que nous faire sur terrain football là ouais. On connaît grand pile monde qui pensait Jean Haïti pas dans compétition c'est parce que et discipline n'est pas vraiment bon la caille joueur. Ou même qui regardait dans cette équipe ça ancien capitaine toujours capitaine quand même sélection nationale là quand on pense discipline dans cette équipe là même en général non discipline équipe là bon parce que on a un bon petit temps dans sélection gab dit gou joueur nous gagne c'est une gout joueur qui puis ini non sens parce que nous même nous fait expérience là dans sélection déjà moi pas fait expérience dans fait mais je suis content de vous comprendre. Jouer pas fait, jouer confiance. Jouer à veiller, soulier, li, pas quitter les bagailles, pas faute avec l'autre. Gen jouer pas veiller pour un chemin avec l'autre. Vous comprenez? Mais je connais tout. Et la majorité dans ça, tout, c'est superstitieux. Vous comprenez? Mais dans le groupe, ça, nous avons un groupe qui est très uni.
Et là, c'est une génération tout qui très promet tout, vous comprenez? Moi-même, censé en fin carrière moi, vous comprenez? Senti que Copa América c'était un dernier cadeau de Kabay peuple hein, comme génération ça. Et on est et parfois tout nous-mêmes haïtiens, nous petit gens. Nous même ba tête nous gloire non sens que nous comprenons football mais comparé avec pays dans monde là, nous loin de football, vous comprenez? Jouer en Copa América c'est un petit bagage lié, vous comprenez? C'est une compétition qui bien ancien dans monde là, vous comprenez? Haïti qui a la Copa América son levé drapeau pays hein. Côté plusieurs pays où mon a regardé Haïti c'est ambassadeur nous pour pays hein, vous comprenez? Mais vous connaissez l'avion c'est comme ça aller propre car pas bon valeur, vous comprenez? C'est d'ailleurs c'est monde d'ailleurs qui bon valeur. Alors je vois ça pas gagné encore et ce dia et une même merci fan nous gomme pour lui en pile et ce dia mon n'a pas bon valeur mais monde d'ailleurs qui bon valeur et va regarder pour moi dans Copa América moi ESPN moi bien sport moi toute gros channel télévision couvre nous on va regarder pour la caille pas j'aime pas de nous critiquer plus critiquer. Alors c'est but moi-même NC Fan Guillaume pour nous faire ça en affaire là et pour nous chercher qui ça footballeur nous après qui est sûr qui ça au fait parce que tout gros bagage ça a fait à journée aujourd'hui grand puis là ici pas connait mais grand puis nous verrait qui là peut-être qui a besoin supporter ou qui pas connait soit font gros bagage comme ça même so me garantis après chose après nous fin garder chose ça qui on verrait qui fier qui a cherché joindre nous et pour connait qu'est-ce qui Jean-Marc là pour capable prendre tout là mes fautes pour avancer avec travail là et l'autre question m'a pose bien vite et Jean-Marc et grand pile monde qui va connaître ça journée aujourd'hui là Jean-Marc qui c'est capitaine équipe Strikers là en équipe qui va jouer dans deuxième division mais ça et comment on fait venir arriver capitaine même parce que bon bah qui facile parce que ce pas bon bah de peau et deuxièmement on sont haïtien et troisièmement on jouer dans équipe et étrangère qui bon bah qui aussi facile ou capitaine Strikers ou mener Strikers moi-même merci faire faire match ça fait fier me dit mais capitaine non monsieur sont haïtien bien et comment tu fais atteindre un objectif pour ça pour capitaine équipe ça. Premièrement, je suis capable de dire c'est grâce avec bon Dieu, parce que toute gloire c'est pour lui. Je n'ai pas aucune gloire à prendre ça. Après ça, c'est parce que respect que l'entraîneur a gagné pour moi avec l'autre joueur. Parce que pour moi, mon bon leader, ce n'est pas seulement parler, mais action plus importante parce que les paroles qui sont dans la bouche. Son capitaine qui ne va rien faire bruit, ne va rien parler, mais. Lead par exemple, vous comprenez? Et son leader par exemple. Si entraînement à 7 heures, toujours mec chum là dans aller, si est pas aller puis bonnet toujours pour me c'est une premier monde qui arrivé et puis une dernier monde qui quitte tout. Et une bagarre toujours conseiller jeune joueur qui voulait jouer football, toujours dire comme ça que leur nom équipe ou faut toujours mec choquer c'est même qui travaille puis dit dans équipe là. Maintenant nous allons parler parce que nous est la fête en fin de la guerre nous allons guetter et passer bien vite dans Strikers. Ça passe Strikers mais saison commencé là nous Strikers pas qu'à prendre câble toujours. Mais c'est quand ça nous a commencé spring saison à tout nous a commencé le premier 3 matchs nous a fait des défaites avec un match nul parce que même genre nous commencé spring saison là et on est championnat ça a été un difficile parce que dans le moment où nous commençons à prendre l'élan, nous avons bien marché et puis nous avons fait un break. Quand nous avons fait un break, nous avons déstabilisé. Et puis l'équipe qui a mal marché, tant que par exemple l'équipe James, nous avons commencé la saison, nous avons commencé avec un volume de football. Nous avons fait 4 ou 5 matchs. 4 matchs affilés, nous n'avons pas perdu. L'équipe qui a pris le et puis nous avons tout pris l'élan sur nous. Et puis nous avons mal fini la saison. Et puis quand nous avons commencé la saison, nous avons commencé avec 2 victoires en match. Nous avons même fait un changement, nous restabiliser. Nous avons un match joué mercredi contre Chicago Fire. Côté nous, c'est la dernière équipe dans NSL qui était dans la US Open Cup. Je souhaite qu'avec le match, si nous sommes capables de jouer une victoire, bien, bah, une bonne performance, nous sommes capables d'aider pour la saison. En dehors du football, bien rapide, qui serait même fait l'opération de football, la famille ou bien, ou même personnellement, qui serait même fait dans la carrière pour moi, ou même personnellement? On est gens de la vie footballeur. Je ne sais pas si je suis un peu plus relax. Je ne sais pas si je suis un peu plus relax. Je ne sais pas si je suis un peu plus relax. Je ne sais pas si je suis un peu plus relax. Je ne sais pas si je suis un peu plus relax. Je ne sais pas si je suis un peu plus relax. Je ne sais pas si je suis un peu plus relax. Je ne sais pas si je suis un peu plus relax. Je ne sais pas si je suis un peu plus relax. Je ne sais pas si je suis un peu plus relax. Je ne sais pas si je suis un peu plus relax. Je ne sais pas si je suis un peu plus relax. Je ne sais pas si je suis un peu plus relax. Je ne sais pas si je suis un peu plus relax. Je ne sais pas si je suis un peu plus relax. Je ne sais pas si je suis un peu plus relax. Je ne sais pas si je suis un peu plus relax. Je ne sais pas si je suis un peu plus relax. Je ne sais pas si je suis un pe
musique. Oui, dans des musiques. Qui type de musique? Tropicana? Non. Qui passe, système Ben? Non, plus même. Le Charimi? Moi, même le Charimi. Même plus même R&B, musique slow, comprends? Soutenir un football, non. Je suis capable de très bien, mais de l'autre côté, je suis très posé. Et après ça, Jean-Marc, qui mange favori? Griot ou bien mange favori ou mange américain? Je ne sais pas si nous mentons. Manger favori, c'est manger italien. Parce que quand je me lève ici, la majorité des sports, depuis que je mange, toujours bon pasta. Stéphane, quand je mange, toujours bon pasta. Mais on mange haïtien, qui mange haïtien? Oh oui, moi, poisson frit. Et avant mal là parce qu'on est un peu monde qui a regardé Jean-Marc à crème et Jean-Marc marié Jean-Marc est petit parce que puis mesdames parce que vous posez question ça rapide pour mesdames et Jean-Marc marié Jean-Marc est petit qu'on va y aller. Ah tout bagarre bien passé, tout bagarre bien passé. Et Jean-Marc avant me quitter aller sous mon message et au message pour jeunes qui a regardé là, jeunes petits footballeurs, jeunes haïtiens de partout qui a regardé qui s'aldaï parce que quand même l'on dit Jean-Marc, je m'en qui réussit sur le plan international et dans carrière. Et qui message vous avez pour un jeune qui a regardé au cognac veille jouer au football? Le message que je me dis, c'est second bi dans la vie. Hein. Mettez bon Dieu avant et puis travaillez. Pas quitter le monde de courage. Parce que si tout petit jeune haïtien, nous vivons dans un pays avec un peuple qui est très négatif. Moi-même qui l'a, je suis avant, non seulement je parle avant, mais son exemple mieux, je fais, je tourne vers. Moi j'en zone moi ça le manquer moi me fait li m'pa parler mal parler moun mal parler l'autre bagaille mal mais moi me fait action pour me changer communauté vert là ou même tout capable faire ça tout et m'dame me féliciter Haïti TV pour émission ça parce que senti que une bagaille que footballeur haïtien manqué c'est valeur nous pas gain valeur et ça fait nous pas gain valeur c'est parce que nous pas gain média derrière nous. Si nous avons des médias derrière nous, côté fanatique capable de connaître dans quel club nous jouons pour venir supporter nous, ça t'a fait nous plus valer comme footballer. Et je félicite nous, et Genio, quand ça est en bas nous, je souhaite que nous ayons des conseils ça, parce que c'est même conseil ça, papa, m'a dit. Oui, c'est ça. Alors, je pense que c'est extrêmement bien. Ça, c'est mon content, mon frère, mon frère, Jean-Marc. Alors, Stéphane, je vais connaître ce que nous avons avant nous aller. Vraiment content, man. Merci Jean-Marc encore pour la disponibilité parce que vous avez choisi ça avec Pamon pour y aller dans ce moment là. Vous êtes entraîné, vous êtes fatigué, vous avez une chance pour venir avec nous là, vous avez notre temps. Donc, nous vraiment merci parce que vous avez déplacé nous. Vous dites le meilleur à et merci en pile, Guy, Mancuso, nous vous merci. Et que tout le monde, tous les amis Sport Magio, dans l'autre point encore, nous disons merci parce que nous avons suivi pour ça et que nous continuons de travailler. Nous disons continuons, nous continuons à mener joyeux ici, nous continuons à mener tout grand visage là. Figure ça représente notre tout monsieur ça venir pour nous parler avec eux etc etc. Merci en pile Jean-Marc, mais mille merci, okay. Un plaisir, bravo, bon garçon, qui a défendu pays. Bye bye tout le monde, mais nous en pile, on se voit la semaine prochaine, bye bye. Yeah,